Oh, <tries> my Le salaire est la somme d'argent que le capitaliste paie pour un temps de travail déterminé ou pour la fourniture d'un travail déterminé. Alors, c'est le cœur du, du dilemme qui est posé dans le cadre du contrat salariat. Et c'est un dilemme parce que si on se place du point de vue de l'employeur, euh, on peut comprendre que l'employeur, c'est quelqu'un qui apporte du capital, qui apporte de l'argent, qui a l'ambition de monter une entreprise, de vendre un produit, et, et qui va recruter des personnes, qu'il va embaucher et qu'il va payer. Comme tous les concepts économiques, le capital a une histoire, une histoire singulière que l'on peut raconter de bien des manières. D'autant plus que la signification de ce terme s'est transformée au rythme du changement des modes de production. Nous nous racontons différentes histoires sur l'origine du capital. La première justifie sa possession par des gens qui étaient très frugaux, très économes. Ils ont épargné, ils ont travaillé dur, ils ont gagné de l'argent et l'ont mis de côté. Ça les a mis dans une position d'exercer un contrôle sur le processus de production. Mais il y a d'autres histoires. Une autre veut que ce capital ait été acquis par le pillage le viol et le meurtre, c'est-à-dire de façon illégitime. Il y a donc des implications différentes selon ces histoires. Si vous croyez à la première, vous vous dites, ah oui, c'est bien, c'est légitime, ces gens ont travaillé dur, ils ont économisé de l'argent, ils méritent la position dans laquelle ils sont. Pour ceux qui ont obtenu le capital par des moyens illégitimes, comme la fraude fiscale, ou parce qu'ils ont été là au bon moment, ce qui n'est pas un crime, c'est une sacrée chance. Le capital permet aux gens d'avoir une vision différente de la légitimité d'un système où certains contrôlent le travail d'autres personnes. La définition du capital est une des tâches les plus ardues parce que ce mot a différentes significations qui sont souvent confondues. Chez les premiers économistes, le capital est interprété comme la condition de subsistance. C'était un stock d'aliments nécessaires dans la société agraire pour survivre jusqu'à la prochaine récolte. Si la récolte n'est pas bonne, il y avait des famines et des morts. Au départ, le capital est l'avance alimentaire dont les travailleurs comme les puissants disposaient pour tenir jusqu'à la prochaine récolte. Le capital, c'est un mot qui est entré dans le discours économique, en tout cas avec toute, sa, toute son ampleur, avec Marx. Et chez lui, ça avait un sens très précis, euh, que, que d'ailleurs il a plus ou moins emprunté aux auteurs classiques qui l'ont précédé. Alors là, le capital est quelque chose qui circule, c'est quelque chose qui est avancé par la classe dominante, qui est investi dans la production, qui fait retour. Les capitalistes font leur compte. Ils, si tout s'est bien passé, ils ont dégagé une plus-value. Et ils vont réinvestir cette plus-value dans l'activité. Et donc, l'ensemble de la société va entrer dans un processus de, de croissance. Et, entre parenthèses, grâce à cette notion de, de capital, c'est la première théorie de la croissance, ben, en fait, de, de l'espèce humaine. Parce que tout ça vise quelque chose qui s'est produit au moment de la révolution agricole et industrielle. Et c'est ce schéma de pensée qui a permis de rendre intelligible ce processus de décollage au moment de la révolution donc agricole et, et industrielle qui est un événement dire, sans précédent dans l'histoire de l'humanité le capital c'est comme dirait karl Marx c'est du travail cristallisé c'est du travail déjà effectué par le passé et qui devient un élément qui va permettre au travail actuel, au travail récent, d'être plus productif. Et c'est pour ça que pour Marx, la rémunération du capital, il dit, c'est quelque chose qu'on vole aux travailleurs, parce que ce n'est que de la rémunération d'un travail effectué auparavant mais dont s'est approprié le capitaliste ou l'entrepreneur. Et donc, euh, le, le, le capital, c'est tout ce qui n'est pas le travail actuel, mais qui est le travail euh, cristallisé, le travail qu'on pourrait qualifier de mort. Au bout d'un siècle, dernier tiers du 19e siècle, les préoccupations de croissance, décollage, révolution industrielle sont passées au second plan. Les problèmes politiques d'affrontement, d'inégalité, de conflit de classe, mais aussi d'équilibre, de coordination, viennent au premier plan. Ça va être la révolution marginaliste dont j'ai déjà parlé. Et alors, du coup, comme par hasard, la notion de capital va changer. Au lieu d'être cette conception à la fois très précise, mais assez euh, sociologique, politique pour ne pas dire cynique, stock de ressources entre les mains du groupe dominant pour mettre au travail le groupe dominé. Eh bien, le capital, ça va se réduire progressivement au capital physique, aux équipements qu'utilisent les entreprises, donc les patrons, euh, pour rendre plus productifs les, les, les salariés. Le capital jusqu'à ce que Thomas Piketty publie Le Capital au XXIe siècle. C'est pareil, c'est une, une variable qui avait disparu du discours des économistes. Euh, vous aviez des discours sur la croissance et ce qui crée la croissance. Donc il y, y a une variable capital hein, dans, le, dans, 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 euh, dans tout ce qui est modèle de croissance, comme il y a une variable travail, mais ce n'est pas une variable qui est incarnée, c'est une variable qui est technique. Il n'y a pas euh, quelqu'un derrière le capital, euh, de manière qu'il n'y a pas quelqu'un de spécifique derrière le travail, en fait. Le capital incarne un mode spécifique de production, le capitalisme. Au XIXe siècle, l'économiste anglais David Ricardo invente le concept sans pour autant en faire un grand usage. Ce sont Marx et Engels qui en feront un concept central de leur théorie économique. Dans les trois volumes du Capital, le mot capitaliste est utilisé plus de 2600 fois. Le capital au sens strict et au sens marxiste du terme, ça désigne quand même une réalité bien précise qui est, euh, comment dire, un mécanisme par lequel des gens vont s'enrichir euh, en exploitant la, le travail d'autres. Hein et ce mécanisme-là, il est quand même spécifique. C'est ça qui fait l'originalité du capitalisme. Euh, J'allais dire sa beauté, mais enfin euh, non, son originalité. Euh, alors... Euh, est, ce qui n'est pas original dans le capitalisme, c'est d'exploiter les autres. Euh, D'autres sociétés l'ont fait avant lui, mais la manière dont il le fait, justement, par cette vente, entre guillemets, libre de la force de travail, ça, c'est l'originalité du capitalisme. Définir le capital. C'est désigner l'accumulation de pouvoir, ce qui permet à ses propriétaires de contrôler le processus de travail. Ce pouvoir vient d'un contrôle financier, mais ce ne sont pas les fonds eux-mêmes qui constituent le capital. Les fonds peuvent être utilisés pour la consommation. Si j'ai beaucoup d'argent, je peux l'utiliser pour m'amuser, pour faire la fête, mais ce n'est pas du capital. Mais si j'utilise mes fonds pour contrôler la force de travail d'autres gens, eh bien, ça, c'est du capital. Nous arrivons à définir globalement trois types de capitalisme le capitalisme marchand, ou ce qui fonde le profit. C'est les jeux dans l'espace et dans le temps. Euh, jeux dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que j'achète aujourd'hui, je revends demain, et donc je prends le profit. J'achète à Paris, je vends à Lomé, donc je joue sur l'espace, je fais du profit. Donc ça, c'est vraiment le capitalisme du 17e, 18e siècle. Ensuite, on a eu le capitalisme productif. 19e et 20e siècle, où ce qui fonde le profit, ce ne sont plus les jeux dans l'espace et dans le temps, mais la production, et donc la création de valeur via la production. Et toute la régulation autour du marché du travail, de la protection des salariés, euh, de la mise en place d'un système de, de crédit et de l'État-providence. Et puis, de 21e siècle qui est marqué par ce qu'on appelle le capitalisme financier ou le méta-capitalisme où ce qui fonde le profit ce n'est plus la production mais ce sont les jeux du capital sur le capital. Donc le règne des marchés financiers. Le capitalisme est un système de rapports sociaux qui Marx le montre très bien fait advenir sur la scène de l'histoire simultanément les figures du capitaliste et du salarié, mais dans un rapport où le premier est structurellement victorieux sur le second. C'est le nom du jeu euh, du capitalisme. Le capitalisme est un système de rapports sociaux où il y a des dominants et les dominants on les appelle des capitalistes. <laughs> Donc, il euh, y a une publicité qui disait c'est comme le porc-saluste écrit dessus. C'est un peu pareil. Euh, dans le système de domination qu'est le capitalisme, les dominants dominent. Et donc ils sont victorieux. Ils sont victorieux d'emblée, d'après la logique fondamentale du système. La Chine n'est pas un pays capitaliste parce que sur beaucoup de plans, elle a des caractéristiques très différentes des pays capitalistes développés, que ce soit sur le plan culturel, économique ou politique. Au regard du marxisme, comme je l'ai indiqué, je constate qu'en Chine actuellement, le mode de production capitaliste existe, mais il ne joue pas un rôle dominant. Dans les pays développés, les gouvernements sont apprivoisés par le capital. Les politiques économiques et culturelles répondent aux besoins du capitalisme, à ses intérêts. En Chine, on voit que le capital a une influence sur le gouvernement, mais que le gouvernement et le Parti communiste chinois garde fondamentalement une capacité autonome. Le rapport de force entre le capital et le travail n'est pas le même selon qu'on est dans une configuration du capitalisme où la finance est dominée, les marchés financiers sont croupions, les capitaux ne sont pas libres de circuler comme ils le veulent. Les investissements internationaux sont sous contrôle. Les économies sont dans, sur des sentiers de croissance qui sont essentiellement autocentrés, c'est-à-dire où la croissance est peu dépendante du commerce extérieur, où la politique économique est favorable à l'activité, à la croissance et à l'emploi plus qu'elle n'est obsédée de surveillance de l'inflation. Ou bien lorsqu'on est dans une configuration où on inverse terme à terme tous ces traits c'est-à-dire la finance a été déchaînée, la concurrence a été déréglementée, les investissements directs à l'étranger, c'est-à-dire la possibilité de délocaliser entièrement libéralisée, la politique économique, la politique monétaire se moque de la croissance et ne se préoccupe plus de l'inflation comme c'est le cas en Europe, les politiques budgétaires sont soumises à des contraintes d'équilibre qui sont rendues exécutoires par la puissance des marchés obligataires qui sont devenus en fait une instance de tutelle de toutes les politiques économiques. Alors oui, dans cette deuxième configuration, le rapport de force entre le capital et le travail a été entièrement rebasculé. Et c'est bien ce qui s'est passé au tournant des années 70-80. C'était la, la grande offensive, la grande reconquista des possédants, la grande offensive des capitalistes visait précisément à rebasculer le rapport de force par la reconfiguration des structures économiques qui le déterminent. Je veux dire, il n'y a, il, 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 il a pas de redétermination du rapport de force sans une reconfiguration des structures. C'est ça qu'il faut comprendre. Et tout le néolibéralisme consiste en un nouvel état des structures qui a intensifié comme jamais la domination du capital sur le travail. Domination qui, elle, est déjà essentiellement établie par le fait même que nous nous situons dans le mode de production capitaliste. Au milieu du XXe siècle, dans les années 60, de nouveaux acteurs apparaissent sur le terrain économique. Les fonds de pension, les fonds souverains, les compagnies d'assurance. Désormais, plus qu'une théorie du capital, il faut considérer une théorie de l'actionnariat. La force du capitalisme a été et de donner des expédients. Aux salariés en leur faisant croire que ce faisant ils pourraient devenir des capitalistes et, et ça c'est quelque chose qu'il faut analyser en détail c'est que les modalités finalement de, du rapport euh, salarié-capitaliste elles ont évolué via l'actionnariat mais elles sont de plus en plus, et je crois que c'est ce qui est remarquable, elles sont de plus en plus déterritorialisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus grands capitalistes, ce sont les fonds de pension, les fonds de pension américains, euh, les fonds de pension japonais, qui rachètent à tout va les entreprises. Mais vous n'avez plus la capacité d'identifier celui qui est votre problème. Et du coup, cet, cet éparpillement de l'actionnariat crée euh, des difficultés à poser le rapport de classe à l'heure actuelle, parce qu'effectivement, on fait croire à chacun qu'il est copropriétaire de l'entreprise. La réussite de l'entreprise moderne, c'est quoi ben, C'est un enrichissement collectif de l'Occident. Cet enrichissement va faire quoi Il va payer des retraites. Il va promettre une sécurité sociale, donc il y a un bénéfice. Mais aux États-Unis, par exemple, il va avoir un drôle d'effet, c'est que les retraites, comme vous le savez, et l'ensemble des éléments de, de la garantie sociale, de la solidarité sociale, se transforment en fait en fonds d'investissement, ce qu'on appelle les pension funds. Et en fait, on va avoir une étrange mutation du capitalisme, qui est que grâce au système de la société anonyme et à l'agglomération de petits capitalistes, en gros, pour faire une grosse capacité d'intervention, on voit tout d'un coup ce qu'on peut appeler une institutionnalisation et même une industrialisation de l'actionnariat. Et donc vous voyez que s'installe une étrange domination, qui est une espèce de ruse de l'histoire, après tout, à la Hegel russe de l'histoire, c'est-à-dire que le monde du salariat organise un système assurantiel qui reconstitue une industrie du capital qui va venir, à être extrêmement exigeante sur le monde du travail. Et donc, je pense qu'il faut utiliser aujourd'hui les dénominations qui permettent de comprendre ce qui se passe. Donc, l'actionnariat, c'est pratique, je peux comprendre, je sais comment ça marche, je sais quel est le cadre de droit. Qui, euh, je sais comment ça se vend, je sais comment ça ne se vend pas. Donc, si je prends l'actionnariat, j'ai un marqueur d'analyse. Et donc, je dirais aujourd'hui, essayez plutôt, essayons plutôt de faire une théorie de l'actionnariat que d'une théorie du capital. Donc, l'actionnariat, c'est la forme, on va dire, typique du grand capital, euh, tout simplement parce qu'il lui permet de réunir euh, il n'y a pas que dans les processus de travail que le capital socialise et collectivise les choses. À son échelle de, de, de la propriété, il collectivise aussi en quelque sorte, en réunissant les petits capitaux et en les faisant tous converger dans une entreprise commune. C'est ça, finalement, la force de l'actionnariat. C'est que ça permet au grand capital de drainer des petits capitaux et de les centraliser pour une entreprise commune. Tous les jours, on a le, le terme entreprise qui est utilisé. On va dire par exemple, bah, telle réforme va euh, euh, favoriser les entreprises, telle, impa, telle, telle, telle réforme va avoir un impact positif ou négatif sur les entreprises. On entend aussi parfois dire les entreprises souffrent. Et je pense que dans la, euh, dans, dans la représentation que s'en font beaucoup de gens, euh, le néolibéralisme euh, serait euh, un système. Qui favorise l'entreprise. Ce qu'on ne dit pas assez, à mon avis, c'est à quel point le néolibéralisme modifie la notion même d'entreprise. Et en réalité, quand on dit que un système économique va favoriser euh, l'entreprise, euh, ce qu'on dit, c'est que ce système va favoriser, par exemple, les actionnaires de l'entreprise. Parce que la notion d'entreprise elle-même, en tant que collectivité, elle est minimisée, elle est amoindrie par la vision néolibérale. Quels sont les abus aujourd'hui de la théorie de l'actionnariat Eh bien, le grand abus, euh, abus c'est d'avoir modifié euh, la théorie de l'entreprise euh, moderne, celle qui s'élabore avec des défauts, mais malgré tout, à laquelle les sociétés vont adhérer. Hein, euh, on disait What is good for General Motors is good for America. Eh bien aujourd'hui, l'abus, les abus de la puissance actionnariale font qu'on ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire aujourd'hui What is good for General Motors is good for America. Et, et donc du coup, les, les, les abus, c'est la mutation de la définition de la performance, la transformation du statut du dirigeant, et en cascade, tous les effets que ça va avoir sur l'organisation interne du travail. L'évaluation de la performance du travail, la nature de la rémunération, des choses plus sophistiquées mais qu'on qu qu voit quand on s'y intéresse, c'est la façon dont les divisions au sein d'une entreprise sont découpées, recoupées, restructurées, reconsidérées, la façon dont la mondialisation est pensée. Autrement dit, c'est les abus de la nouvelle théorie d'actionnariat, on ne les voit que si on analyse l'ensemble des systèmes de gestion. Longtemps, les entreprises étaient gérées par des hommes généralement issus des écoles d'ingénieurs. Ces patrons tenaient le capital à distance. À partir des années 80, ils seront remplacés par des hommes agissant au service exclusif des actionnaires. Un seul objectif leur est assigné augmenter la valeur des actions, ce qui provoque des conflits. Alors ce conflit, euh, ce conflit il s'exprime très souvent dans l'entreprise. Donc qui la dirige Eh bien c'est un rapport de force. C'est un rapport de force euh, en général entre euh, l ac les actionnaires, le conseil d'administration et ceux qui veulent être des entrepreneurs. Mais il y a des gens qui ne veulent pas être des entrepreneurs. Il y a des gens qui euh, vont diriger les conseils d'administration ou vous diriger les entreprises sans être des entrepreneurs, au, au sens de Schumpeter en étant simplement des administrateurs, des gens qui vont vouloir satisfaire rapidement les actionnaires, vouloir créer de la valeur, comme on dit aujourd'hui, créer de la valeur en, externe, en vendant euh, des bijoux de famille, en externalisant des tâches, euh, en licenciant éventuellement, euh, en se séparant de choses qui sont moins rentables. Donc tous ces gens-là ne sont pas des entrepreneurs au sens de Schumpeter. Tous ces gens-là sont des administrateurs qui sont là pour faire fonctionner la machine. Ils dirigent cette machine. Mais certainement pas dans la vue de prolonger le capitalisme disruptif à la Schumpeter. Dans les rapports entre actionnaires et dirigeants d'entreprise, ça a donné comment faire pour que le dirigeant d'une grande entreprise cesse de réfléchir au développement de l'entreprise proprement dit, mais indexe son action principalement sur le retour sur investissement pour les actionnaires, ce qu'on a appelé la création de valeur d'un terme qui renvoie à une conception de la valeur qui n'a rien à voir avec Kant ici. Donc il faut lier son intérêt à celui du capital, et on va le faire par diverses techniques, dont euh, l'une d'elles, euh, ça a été par exemple les, les, sous les, les distributions gratuites d'actions euh, ou les stock options, c'est-à-dire que les revenus ou la richesse du dirigeant d'entreprise. Va s'accroître dans la mesure où euh, la richesse des actionnaires s'accroît aussi. Ce qui a permis de casser le, le, le pacte implicite qui pouvait exister entre les di dirigeants industriels et le monde syndical et ouvrier, et de faire basculer ce pouvoir organisationnel totalement du côté des intérêts des apporteurs de, de, de capitaux. Une entreprise bien gérée, c'est une entreprise, euh, une entreprise qui permet de produire de la valeur pour l'actionnaire et dans lequel l'actionnaire est en mesure de contraindre le manager. Comment bah En lui versant un gros salaire, en lui versant des stock options, euh, c'est-à-dire euh, euh, puisque euh, en, en faisant en sorte, en proposant aux managers d'acheter des, des, des actions d'entreprise, de devenir un peu propriétaire et donc de se rallier aux intérêts des propriétaires, et euh, par des contraintes de marché, par exemple, en tolérant les OPA hostiles. Euh, parce que si l'entreprise est mal gérée, bah, la sanction, c'est qu'il va y avoir une OPA sur l'entreprise et donc ça va. Euh, effectivement, on va s'assurer comme ça que euh, le but du manager, ça va bien être de maximiser la valeur actionnaire. C'est-à-dire qu'avant, on était quand même dans un système où euh, les entreprises étaient, étaient gérées de manière à euh, permettre un profit sur long terme, donc innover, etc. À partir du moment où euh, la meilleure représentation d'une entreprise bien gérée, c'est supposer être le cours des actions, et qui faille faire augmenter le cours des actions, on se retrouve à faire tout un ensemble de pratiques qui n'a rien à voir avec la gestion de l'entreprise en termes d'innovation, en termes même de, de clientèle, etc. La meilleure manière de faire augmenter le cours des actions, c'est simple, c'est de les racheter. Donc on va prendre les bénéfices de l'entreprise, et au lieu de les réinvestir pour innover, qu'est-ce qu'on va faire On va racheter une part des actions pour que les profits soient concentrés sur un ensemble plus faible d'actions et que ça fasse effectivement monter la valeur des actions. Donc là, on, on, ce qu'on a comme prise de pouvoir, c'est une, une prise de pouvoir de la logique financière et du montage financier sur, euh, euh, sur, euh, sur euh, le management industriel d'une entreprise, par exemple. Aujourd'hui, ces managers à la tête des grandes entreprises sont rémunérés non seulement par des très hauts salaires, mais également par l'attribution de stock options et autres formes de bonus. Leurs salaires augmentent considérablement et leurs revenus explosent. Comment faire grimper le cours de l'action? Eh bien, on réduit les frais, on coupe les postes. Ça veut dire que les conditions de travail ne s'améliorent pas, voire s'aggravent, et que les salaires ne grimpent pas au niveau où ils pourraient grimper. Mais c'est très bon pour les actionnaires. Il dit c'est très bien, c'est le prix que nous sommes prêts à payer pour obtenir de gros dividendes. De fait, les managers peuvent gagner 100 fois le salaire de leurs salariés, mais c'est le système. Quand Wall Street a pris la main sur l'entreprise, il fallait obtenir des dividendes à court terme. Le revenu du PDG dépendait du niveau de rentabilité de l'entreprise. La plus grande partie de ces revenus ne venait plus du salaire, mais des stock options. On détournait les motivations du PDG. Pour lui, ce qui allait être important, c'était de faire monter le cours des actions. C'est une forme de cannibalisme. Entre 1991 et 2001, en 10 ans seulement, d'après Business Week, le PDG moyen gagnait 113 fois plus que le travailleur moyen, ce qui est astronomique. 113 fois en 1991. En 2001, le ratio était passé à 449 fois. En 10 ans à peine, on est passé d'un PDG moyen qui gagne 113 fois plus que le travailleur moyen à 449 fois plus. C'est absolument hallucinant de penser qu'en dix ans seulement, la productivité du patron aurait été multipliée par 4 par rapport à celle du travailleur. Le dirigeant étant aligné sur les seuls intérêts des actionnaires, et eh bien d'une certaine façon, cela lui rendre en quelque sorte la grâce qu'il leur a faite, puisque ces rémunérations ont été obtenues, ces écarts de rémunération ont été obtenus beaucoup obtenu, pas uniquement par du salaire fixe, mais aussi par la distribution d'actions. Euh, autrement dit, les actionnaires disent aux dirigeants, vous êtes là pour qu'on s'enrichisse, si on s'enrichit, vous vous enrichissez avec nous. Les questions de rémunération euh, des, euh, des grands chefs d'entreprise, elles ne vont réellement se poser dans notre société que quand il y a quelque chose qui tourne mal mais pas vraiment euh, quand, quand, quand ça va bien. Et à ce moment-là, quand ça tourne mal, ça peut devenir moral. Là, on va se poser la question par exemple est-ce que ce chef d'entreprise qui a un, un, un salaire très élevé, eh bien est-ce que ce chef d'entreprise il a eu ce salaire très élevé parce que euh, euh, il a bénéficié de, par exemple d'un délit d'initié, d'informations sur l'entreprise qui qui sont pas, qui sont pas normales. Mais ça va, ce, ce genre de questions là va se poser que dans des, des, des périodes de, de crise. En temps normal, euh, en tout cas, dans une vision qui ne serait basée que sur la raison économique, eh bien, on ne trouve pas en fait, d'argument pour expliquer qu'on devrait euh, euh, plafonner euh, les salaires. Ça ne veut rien dire que euh, les managers sont trop payés. C'est le marché qui décide combien ils sont payés. Et s'ils sont beaucoup payés, c'est pour les inciter à maximiser la valeur actionnariale. Donc ça va être le discours. Empiriquement aujourd'hui, on sait que c'est faux. C'est-à-dire que ce qu'on a prouvé depuis, en comparant l'évolution des valeurs des entreprises, des valeurs fondamentales des entreprises avec le salaire des, des managers, c'est qu'il euh, euh, est faux de dire que euh, si un, un, un manager est extrêmement bien payé, la valeur de son entreprise, va, ça va l'inciter à avoir une entreprise florissante. On a eu des scandales où les euh, nombreux, où les managers sont partis avec des parachutes dorés euh, en, en ayant euh, pendant dix ans diminué la valeur de, de leur entreprise énormément. Donc on est, on est capable de dire aujourd'hui, les économistes sont capables de dire, non, le, le salaire des, des managers euh, n'est pas lié en fait à la... À la, valeur, à la valeur créée par l'entreprise. Les nouveaux dirigeants d'entreprise sont très différents sociologiquement de ceux qui menaient les affaires il y a 50 ans. La fin du XXe siècle et le début du XXIe ont vu se constituer une véritable classe managériale, certains disent une caste. Donc, ce qu'on nous dit sur ces grands patrons d'industrie qui sont payés 400 fois plus que le moindre de leurs employés c'est qu'ils sont rares sur le marché mondial ils sont très rares et donc ce qui est intéressant c'est voir comment on produit un discours qui nous fait croire que ces gens sont exceptionnels et donc c'est quelque chose qui, qui est de l'ordre de la construction d'un récit le récit, c'est la création des surhommes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut démasquer. La raison pour laquelle un patron peut être rémunéré 400 fois plus qu'un employé moyen est simple à expliquer. C'est le patron lui-même qui décide de son salaire. Dans un système où c'est le patron qui décide de la somme qui lui est due, c'est inévitable. C'est pour ça que ces questions sont traditionnellement réglées par d'autres personnes. Normalement, cela revient au gouvernement. Mais si le gouvernement ne le fait pas ou réglemente en faveur des employeurs, le patron peut s'attribuer ce qu'il veut. Ce n'est pas tout à fait vrai d'affirmer que le patron est le serviteur des actionnaires. Parce que souvent, il y a confusion entre les actionnaires et le patron. Ce sont les mêmes qui vont décider de leur salaire et qui vont être payés 400 fois plus. Non seulement le patron est plus rémunéré, mais il s'est assuré que les personnes... Qui travaillent en contact avec lui, soit aussi rémunéré à des, travaux, à des niveaux très élevés. De fait, vous êtes sur des petits, euh, une frange de, euh, de, du, du, du monde du travail, bien organisé, qui vivent dans les mêmes clubs, qui ont fréquenté les mêmes écoles, euh, euh, dont les enfants fréquentent d'ailleurs les mêmes écoles, etc. Eh bien, lorsque vous augmentez votre collègue, en fait, vous allez faire votre augmentation à vous aussi. C'est assez fascinant finalement de voir que euh, sans qu'il y ait la moindre euh, productivité naturelle du patron, ils ont su construire euh, toute, euh, toute une histoire, un euh, discours pour justifier leurs éléments de rémunération et toute une organisation de la production euh, qui euh, rend possible cette capture de rente. Ça veut dire que nous sommes dans une société qui n'a plus de but en soi. Elle n'a pas de but. Une société chrétienne, elle va avoir le but de vivre selon des principes. On peut en trouver, trouver d'autres principes. Ça peut être autre chose qu'une société chrétienne. Ça pourrait être une société communiste, une société anarchiste. On pourrait réfléchir à ce que c'est que le besoin. Le besoin est devenu illimité. C'est la mauvaise crématistique d'Aristote. La crématistique, c'est les manières de s'enrichir. Aristote va nous dire qu'il y a de bonnes et de mauvaises manières de s'enrichir. La bonne crématistique, c'est quand on s'enrichit pour satisfaire ses besoins, qui sont forcément limités puisque nous sommes des humains et que les humains ont des besoins limités. La mauvaise crématistique, c'est l'enrichissement pour l'enrichissement, c'est l'enrichissement illimité. Et effectivement, on est dans une période où l'enrichissement est devenu sans borne, sans limite, illimité, c'est la mauvaise crématistique aristotélicienne ou, ou thomiste dont le sens euh, échappe, je pense, aux, aux, aux patrons eux-mêmes, aux riches eux-mêmes. Euh, on peut vouloir toujours consommer, vouloir être toujours plus puissant, mais quel sens donnent-ils eux-mêmes à cela Même lointaine, la sortie du capitalisme demeure une hypothèse plausible. À court terme Rien n'interdit de penser une autre gouvernance de l'entreprise. Une organisation qui, face au capital, permettrait au travail et à ses représentants d'avoir voix au chapitre. Il ne faut pas comparer aujourd'hui à ce que voit Karl Marx. Il faut comparer aujourd'hui à ce qui s'est construit donc, autour des années 20 pour résumer l'entreprise moderne. Parce que cette entreprise moderne... Hein, elle nous, a plu. Elle nous a beaucoup plus. Elle nous a beaucoup plus séduits et intéressés que les grandes manufactures terribles de 1840 ou de 1860. En fait, il y a eu un mécanisme, je dirais anthropologique, d'appropriation de ce monde nouveau du travail qui créé l'entreprise. Pourquoi Pour trois raisons que je vais résumer rapidement. Pourquoi Parce que ça va nous donner la clé de ce qui se passe aujourd'hui. Au fond, les luttes syndicales, il faut les évoquer, elles se sont battues pour quoi Elles se sont battues pour avoir un travail qui soit réglé. Si la journée c'est 8 heures, c'est 8 heures. S'il si y a une fiche de paye, cette fiche de paye doit être respectée. Elles, elles sont aussi, se sont faites aussi pour qu'on ne meure pas au travail. 1897, la loi sur les accidents du travail est une loi aussi extrêmement importante. Donc au fond, ce monde de l'entreprise a été finalement... On a créé une espèce de pacification, pacification qui fait qu'on y, y a adhéré. tout d'un coup l'entreprise moderne apparaissait comme un lieu d'autorité un lieu de rationalité et d'activité scientifique. Euh, voilà quand on mesure une température on la mesure correctement. et puis le troisième élément les syndicats pouvaient discuter des règles et quand on discutait des règles eh bien, on pouvait avancer. Redéfinir l'entreprise, ça voudrait dire euh, penser l'entreprise comme un lieu de production de biens et de services qui soit euh, utile, nécessaire et de qualité, et qui euh, satisfasse des besoins, qui réellement des besoins, et qui ne soit pas produit dans des conditions qui soient dommageables pour euh, les travailleurs. Donc repenser l'entreprise, c'est se dire, euh, une entreprise ne peut pas dépendre comme ça euh, d'un PDG entouré de son comex qui va gagner euh, 400 fois euh, le salaire euh, d'un salarié. Euh, ça n'est pas possible qu'ils aient euh, à eux tout seuls une vision suffisamment éclairée, suffisamment intelligente pour euh, régenter totalement euh, le devenir d'une entreprise qui, devienne, qui devient de plus en plus complexe, avec des nouvelles technologies de plus en plus sophistiquées, avec des contraintes qui sont de plus en plus importantes. Repenser l'entreprise, ça voudrait dire, on peut tout à fait imaginer une entité qui représente l'employeur, mais qui ne soit pas euh, un, un PDG euh, ou un cadre supérieur hyper euh, responsable, mais une entité où soit représentée... Euh, les salariés, l'encadrement, les consommateurs euh, et, et, les, et les usagers de la planète. Les grands patrons souffrent aussi, contrairement à ce qu'on pourrait bien souvent de la. peut-être pas dans leur rémunération, mais ils souffrent de la domination de la finance. J'ai entendu. bernard a très souvent entendu dire mais ces évolutions du cours de la bourse, d'une journée à l'autre, mais ça n'a aucun sens, etc. Et puis, il reste l'idée que. c'est l'idée keynésienne du, du patron qui connaît son entreprise, qui connaît son secteur, qui sait quel produit, hein, qui est confronté à comment innover, comment résoudre tel problème, ça reste, ça reste, euh, ça, ça reste présent. Et euh, ce, ce, ce patron-là, dans les conseils d'administration actuels, qui a devant lui Uniquement des représentants des actionnaires. Quel est le, le langage commun C'est le langage financier. Donc, il est inévitablement le mandataire, j'ai envie de dire le mercenaire, d'une problématique financière. Faites rentrer, faites rentrer, comme en Allemagne, pour la moitié du conseil d'administration, des représentants des salariés. Alors immédiatement, la fonction du, du président, du, du chef d'entreprise, change. Il doit arbitrer entre deux séries de considérations. Qui ont chacune leur légitimité, euh, la légitimité financière dans le monde dans lequel nous sommes, et puis il y a les préoccupations des salariés qui vont amener toutes sortes, qui ne vont pas amener uniquement euh, des revendications salariales, toutes sortes d'autres préoccupations, et notamment les préoccupations écologiques. Et du coup, il devient, eh bien, il devient une sorte d'homme politique qui doit euh, constituer à partir de ses intérêts divergent, mais peut-être pas fondamentalement divergent, il doit constituer une entité commune. Et bien ça, c'est une fonction proprement politique. Je pense qu'il faut prendre au sérieux euh, l'idée que l'entreprise est une communauté, euh, et, et j'irai même un cran plus loin, il faut lui donner pleinement son statut sous ce rapport, et indiquer quelle est la nature de cette communauté. C'est une communauté politique. En réalité, dès que des individus composent leur puissance d'agir, quels que soient les rapports sous lesquels cette composition s'effectue, nous avons là du politique. Il y a donc du politique dans l'entreprise. C'est la chose qu'on ne fera jamais avouer à un patron, même rendu au dernier degré du tourment. Parce que dans la psyché patronale, pour ne pas dire dans l'idéologie patronale, il y a une scission extrêmement nette entre l'économie et guillemets la politique. Deux mondes entièrement séparés, comme en écho de l'antinomie du marché de l'État, d'ailleurs. Disons que la politique, c'est le lieu de la démagogie, des foules irrationnelles, qui commandent des politiciens à moitié pantins, soumis euh, aux suggestions de, du vote et de l'onction électorale, etc. Tandis que euh, le lieu de... Des choses vraies, de la vraie rationalité, etc. C'est l'économie, parce que c'est des chiffres, c'est pas, pas du baratin, hein. voilà, on, on est dans le vrai. Euh, et c'est pour ça que euh, les chefs d'entreprise qui sont dans l'économie, c'est-à-dire les choses vraies, bon, à chaque fois, hein, il faut entendre les dizaines de guillemets que je mets, chaque... euh, idéalement, voudraient tellement être euh, libérés de ce foyer d'irrationalité qu'est la politique, pour pouvoir conduire convenablement, les affaires qui sont leurs affaires, convenablement, c'est-à-dire, devant le bon sens, selon le bon sens qui devrait euh, s'imposer à tout le monde, ça va sans dire. Et alors, dire à un chef d'entreprise que ce qui se passe dans son entreprise, c'est de la politique, c'est vraiment, c'est le, le blasphème ultime. Or, c'est vrai. L'entreprise, elle est politique parce qu'elle fabrique un rapport social qui, lui-même, est politique euh, on pourrait imaginer que les ressources ne soient pas rares. Euh, on pourrait imaginer que nos besoins sont limités. On pourrait imaginer qu'on n'a pas besoin de fabriquer tout un tas d'objets, pas besoin de fournir tout un tas de services. Donc, c'est en ce sens-là que j'entendrai euh, l'idée selon laquelle euh, la fabrication de quelque chose et l'entreprise elle-même est, est politique. Et puis, évidemment, elle est politique, euh, l'entreprise, au sens où elle va jouer un rôle euh, dans, la, dans la cité. Elle va jouer un rôle dans la cité, c'est-à-dire d'imposer sa vision du monde. Sa vision du monde qui est celle de la marchandise, qui est celle de euh, on doit produire des biens pour vous satisfaire, mais surtout pour faire de l'argent. Ayant constaté ou ayant posé l'impossibilité politique pour le moment d'un ben mouvement suffisamment puissant pour faire sortir du capitalisme, qui dirait, ah, nous avons quand même l'éventuelle possibilité de redessiner les structures économiques de telle sorte que le rapport de force soit moins défavorable au travail qu'il ne l'est actuellement. Exactement de la même manière que ce qui s'est passé à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où en quelque sorte on venait d'une première mondialisation historique, celle des 20 premières années du XXe siècle, et où, au travers de la convulsion de la guerre mondiale, s'est créer la possibilité de refaire les structures, sinon complètement à neuf, du moins d'une manière qui n'avait plus rien à voir avec celle qui précédait. Et ce changement dans la configuration des structures, c'est ça qui a fait que le travail s'est trouvé relativement moins dominé dans le fordisme qu'il ne l'était auparavant et a pu engranger des conquêtes sociales. Mais les conquêtes sociales, encore une fois, ce n'est pas seulement une affaire de... Euh, de, 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 de volonté syndicale, euh, d'aptitude à user ses semelles sur l'itinéraire République-Nation, etc. C'est au tout premier chef, ça, ça repose au tout premier chef sur la configuration particulière des structures économiques qu'on se donne. Alors évidemment, celles-là, elles sont le produit des luttes politiques, ça, ça va sans dire. En 2002, en Argentine, pendant la crise, les entreprises ne pouvaient plus fonctionner. Les capitalistes qui devaient de l'argent aux banques et des salaires aux ouvriers avaient pris la fuite. Pour survivre, les ouvriers ont occupé les usines et réorganisé la production. Et ça a très bien fonctionné. Finalement, les ouvriers ont obtenu des salaires et ils ont produit des biens permettant à l'économie de redémarrer. C'était une très mauvaise nouvelle pour les capitalistes. Les gens se rendaient compte que le capitalisme n'était pas nécessaire. On pouvait très bien vivre sans lui. D'après Milton Friedman, prix Nobel d'économie, l'entreprise n'a pas de rôle social à assurer. Son unique but doit être de faire du profit, le profit étant au cœur même de la motivation capitaliste.